Bonjour internautatrice et internautateur, ici Galden pour les Jeux du Cygne. Le clan du Cygne a été attaqué, la caravane fait face à une menace terrible d'un homme de Cro-Magnon avec une massue. Voilà. C'était ça la terrible caravane attaquée. Voilà, bon. Ah, il a survécu à la première salle. Mais pas la deuxième. J'ai gagné la bataille de la caravane. Ouhou. Allez, c'est reparti. Merci d'être venu. Voilà, donc on revient de notre complexe ancien qui ne nous a pas donné grand chose. Mais pas grand chose, c'est toujours mieux que rien. Nous avons une massue en métal, je suis heureux. Hop, allez, on rentre. J'ai du monde qui fait rien. Terrible ça, les gens qui font rien. Bande de glandeurs. Alors, si vous glandez, je vais avoir de quoi vous occuper. Ça me saoule, ça. Ça me saoule. Je vais avoir de quoi vous occuper. J'imaginais me faire... réorganiser encore cette zone-là, peut-être agrandir mon frigo. Pourquoi pas... Alors là... Pourquoi pas... Qu'est-ce que je pourrais faire de tout ça? J'ai quoi? J'ai un générateur, deux générateurs géothermiques. Normalement, je suis large, ça veut dire. J'ai même. Tiens, j'ai pas de. Ah si, elles sont là. Les quatre batteries ouais, qui sont larges. Ah, peut-être pas besoin de celui-là. On pourrait imaginer que j'agrandisse un peu par là. C'est un peu dommage. Je vais hésiter de manger sur cette zone qui est fertile. Mais voilà, agrandir un peu ce bâtiment comme ça. Ça fera un truc moche. C'est nul les trucs moches. Je comprends toujours pas ça. Je vais voir ce qui se passe si je mets démolir. De Damnamite pour essayer de la convertir. Alors, en fait, il s'en cogne. Donc, clairement, ça veut dire qu'il y a un truc qui a bugué complètement dans cette quête. Bon. Ouvrir la quête liée. Bon, ils sont marbre. Je vais essayer de le voir ce que ça fait si je le recomplète une fois. Ouais, ça fait rien de plus, hein. La désespérance. Donc, ceci dit, mes besoins. Voilà, le truc, c'est que j'ai mon diable d'eau qui est quand même cool ici. Comment que ce que je pourrais faire?
agrandir un peu mon frigo qui est quand même plus immense. Je vais réfléchir un peu, je vais mettre en pause. Je vais réfléchir un peu, j'ai quelques idées, je vais voir. Je mets en pause et je vous retrouve après avoir fini de réfléchir. Ok. Donc, j'ai fini mes réflexions. Alors, déjà en premier lieu, j'ai fait un peu de tri dans mes quêtes. J'ai abandonné ce grand édifice à la con. J'ai viré les quêtes de Sith qui risquaient de me mettre à mal avec d'autres factions, même si de toute façon ça change pas grand-chose. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais agrandir un peu ma zone. Ma zone frigo-cuisine, je vais me mettre à la moitié à peu près. Je vais faire de cette zone-là ma salle à manger. Et je vais faire de cette grande pièce-là, en fait, ma salle de détente. Je vais la fermer de façon propre. Je vais faire autour ici plutôt la zone de travaux et puis l'entrepôt, je vais le faire ici. Donc, je vais virer tout ce qui ne me sert à rien et ça va régler un peu ce problème. J'ai déplacé mon pic à cheval là-haut pour qu'il ne gêne pas. Et puis voilà, l'avantage c'est que j'ai un mode depuis peu qui me permet de déplacer ce genre de choses-là. Il évite que ce soit perdu. J'en ai pas vraiment besoin, mais tant qu'à faire, c'est dommage que je ne m'en sers pas. Donc, je vais déplacer ça, je vais remettre du fil électrique, du courant. Voilà, donc je vais donner les consignes ici. Alors, à la limite, hop, là, je vais faire une porte. On donne une porte vers le sud. Voilà, donc je vais faire. Tac. Hop. Tac. Alors, je vais supprimer la zone là, l'agrandir un peu par ici. Ça, je l'ai déplacé ou pas du coup? J'avais eu dans l'idée de le faire, oui, je l'ai déplacé, mais ici, c'est pas une bonne idée en fait. Je vais mettre bah, par là. Hop. Là, je démolis. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Une porte en calcaire. Ici, une porte en calcaire. Là. Alors, je vais mettre aussi une porte en calcaire ici. Je vais aller mettre une porte hop, en marbre là pour pouvoir accéder directement à l'entrepôt. La caravane est de retour. Vive eux. Célestine, qui en peut plus à cause de ça, son intox alimentaire. Ouh, ça va mal se terminer, ça je sens. Je sens que ça va mal se terminer. Va me convertir. C'est papillote. Je souhaite que tu ailles me convertir d'Amnanite.
va se réveiller. Tac, tac, tac. Bim. Oh putain, t'es sérieux? Mais merde! Oh là 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 là, c'est terrible. C'est terrible. Attends, pas dans... Pas devant. Pas devant les portes. Hop. Sachant que de toute façon, là, il va falloir que je mette une porte plutôt comme ça, du coup. Plein de blocs de granit, c'est une bonne chose. Ah, ben non, c'est... C'est pas Célestine qui nous a... Ah, bah si, je me disais psychotique. Alors, la pièce est presque finie. Ah, donc là, j'ai fait. Alors, vous avez détecté un anneau spatial orbital, ouais, donc des informations sur la relique. Pirater, hop. Les pirates des... ont utilisé le détecteur de signature. Mais tant qu'il sera présent, les environs des attaques. Toutes les 8 heures environ. Ah oui, j'ai déjà fait ça sur une partie. Ok. Nick a accepté. Oui, c'est ça. C'est quand je l'aurai, je vais avoir un truc qui va se poser et j'aurai des raids. Donc on va faire en sorte de faire ça quand j'aurai plus Célestine et Scorpicon qui seront... C'est quand même ma meilleure tireuse et mon meilleur cac. On va éviter. Ok, donc ça c'est fait. Là. Tac. Tac. Hop. Toc. 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 Donc on y est. Ça, on dénonce. C'est quoi ce pavement calcaire? Ah bah oui, bien! Oh putain! Il me saoule! Il me saoule tellement! Moi tout ça. Allez, une autre intox. Et pourquoi est-ce que le lait ça vous plaît pas, les mecs là? Il manque kikine. Pavement calcaire. Hop. Pavement en calcaire. Allez, on va commencer à déplacer. Attends, il me faut la lumière aussi. Tac. 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 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5.
3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tac, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ça suffira. Largement. Et là, hop, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. On recommence là. 1, 2, 4, 5. 4, 5, 2, 3, 4, 5, hop, et ça suffira. Et du coup, ça, tu me le démolis. Ok, donc, on commence le transport. Tac, tac. Attends, non. Comme ça que je. Tac. J'aime bien cette disposition là. Tac. Tac. Pas gâché, mais merde, lui je l'ai pas déplacé. Tac, tac, ouais, c'est avec la porte en plus, c'est un peu de la place gâchée. Oh, c'est trop nul. On annule. Hop, hop, on est comme ça. Tac. Tac. Bah si, dans ce cas, je le mets au centre. Hop. Hop. Bon, même chose, je termine mes réorganisations et puis je redémarre, je relance. Et voilà. C'est donc reparti. Donc j'ai organisé le déplacement de toutes mes étagères. Construction de nouvelles étagères. C'est pas totalement opti en termes de place, mais c'est pas grave. Hop. Tiens, il manque du carrelage. En calcaire ici. Il va falloir que je me fasse du sol en ardoise sans doute. Hop, du carrelage en ardoise. Ça... Oh, la vache. Ah oui, il faut que j'organise. Donc je déplace ma belle orbitale. Il va falloir que j'en fasse deux du coup. Une là et une copie ici. Tac. Voilà, donc Scorpicon n'erre plus. Il reste juste Célestine. Hop.
Une sculpture là, il faut que je gère la caisse à outils. Normal, c'est pas terrible. Notamment d'en avoir une autre. L'avantage, c'est qu'ici, il va faire même presque trop chaud en fait. Je vais la déplacer ça. La simple à pourri, c'est un peu con. Célestine n'erre plus, ça tombe bien. Ok, donc tout ça c'est relié, tout ça ça stocke. C'est good. Hop. Là, je vais me faire une zone au sol. Tac, sauf devant les portes. Tac, tac, tac. Ah. Oups. Avec copier les paramètres et coller les paramètres. Ah. Donc du coup, celle-là, je vais la supprimer. Alors, il me reste un fauteuil que j'ai pas pensé déplacer. C'est celui-là. Parfait. La console de communication aussi. Alors cette caisse à outils, ouais, forcément je vais pas pouvoir affecter tout et tout le monde. Hop, je vais la mettre là et puis je vais faire un duplicata de l'autre côté. Ici par exemple. Ouais, ici c'est pas hyper bien éclairé. Ok. Hop, autorisé. Maintenant, je vais pouvoir. Alors, je vais enlever le sol ici et là, là et ici. Cette lampe là, je vais l'éteindre, tac, la détruire. Ok. Ça. Ok, nickel. Alors là, c'est plus maintenant ouvert. Ensuite, on va démolir tout ça. On va démolir tout ça. Comme ça, on aura une fermeture un peu plus propre. J'ai jamais aimé ce décalage. Je ne sais plus pourquoi c'était comme ça. Certainement une excellente raison. Mais voilà. Et je vais pouvoir déplacer tout mon bordel ici. Tac. Une vraie pièce pour faire un peu la teuf, quoi. Plutôt que de devoir s'entasser. Hop. Place-toi comme ça, plutôt. Hop. Voilà, on va vraiment jouer au poker sans être les uns à côté des autres et du coup pouvoir tricher. Pouvoir jouer aux échecs peinards.
Loin du bruit, de l'agitation. Des bons fauteuils bien confortables. Et puis de temps en temps, eh ben, on ira faire la teuf. Naméo. Avec des grosses enceintes. Tac. Tac. Ah oui, sauf qu'il me semble me souvenir qu'il faut que ce soit suffisamment proche. Enfin, peut-être pas suffisamment proche. De la boule à facettes pour pouvoir faire effet. Comment est-ce qu'il marque d'acier? 1820 composants. Ça coûte combien? Deux composants. Le sacrifice. Tac et tac. Ça ne va pas du tout. Non, ça ne va toujours pas. Hop. Là, ça va. Célestine. Décidément, ça ne va pas. Voilà. Puis ça, je vais le déplacer, mes barils de... Je les déplacerai ensuite. Hop. Quand j'aurai organisé ma cuisine. Hop. Des mendiants qui espèrent l'aumône. Ah, ils auront peut-être. Ils auront peut-être. Que veulent-ils ces mendiants? Ils veulent des médocs. Putain, faites chier! Foutez-moi la paix avec mes médocs. Me saoule, bon, j'en ai 71, certes, mais quand même. Ils m'ont coûté cher. Ah là 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 là. Générosité, ça paye pas. Hein. Degrés, c'est bon. Ça c'est bien. Une partie de vaisseaux spatiaux qui s'écrase. Toi, je vais te demander de disparaître également. Et du coup, je dois refaire mon câble électrique ici. Toi, je te déplace d'un cran. Hop. Tac. Et je dois démolir. Tac. Bien. Bon, ben voilà. Il me reste juste un carrelage à refaire. Combien est-ce que je... On a du hardware. Mais il en faut des tonnes. Oh. 140. Ok. Et si je fais emballage? C'est pareil. Ça coûte 4 et ça coûte 4. Magnifique. C'est juste plus rapide à faire. C'est peut-être pas la peine que je le fasse sous le...
Sous le truc géothermique. Ouais, protéine unique. Alors, on va aller chercher. On va aller chercher. Cargaison d'hypersommeil, j'en ai pas vraiment besoin. On va faire des tapis. J'ai plein de tissus. Ça pourrait être une bonne idée. J'aime m'auto-congratuler. C'est important. Hop, j'ai besoin de blocs d'ardoise. Calcaire, on verra plus tard. J'ai plus d'ardoise. Bon. Alors, prothèse bionique. D'une jambe bionique. 4 composants avancés. Bon. Tiens, je vais gérer. Là, j'ai pas grand-chose. Ah oui, ils sont là. Bon, allez. Donner l'argent. Hop. Pourquoi tu veux les arrêter? Mais. Donner. Sûr qu'ils me revaudront même pas. Hop. Et on va. Alors le matin, quand mes chercheurs seront. Oh, Laurie a terminé son cycle de soins. Ouh. Formidable. Quoi? Il est encore affecté par ça? C'est une blague. Une blague, sérieux. Est-ce qu'il est transhumaniste, lui? Ah non, il n'est pas transhumaniste. C'est pour ça que c'était long. Attends, parce que là, c'est. Il n'y a plus que Louis qui peut s'en servir? Bordel de. Putain, et ça coûte combien ça? Oh là 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 là. Ok. C'est un par. Bordel de. J'ai tellement de bestiaux là. Tiens, ma harpe, je pourrais la déplacer aussi. La télé, je pourrais la déplacer aussi. La télé ici. La harpe. Un peu ailleurs. Tac.
Zone de fête. Tac. Supprime. Là, il fait combien? Il fait 21 degrés, c'est largement suffisant. Là, pas de problème de température, je pense. Là, peut-être. Il fait combien ici? 16 degrés. Allez. Et lâche-toi tout ici. Derrière, je vais pouvoir péter ce mur. Et là, on commence à avoir un truc un peu sérieux. Hop, hop, hop. Alors, devant la télé... Attends, ça... Non, d'accord. Il faut que je mette ma télé. Je vais y arriver. Ma télé ici. Et ma harpe. Là. Des fauteuils en tissu. Devant la télé. Elle fait quoi? Elle fait là. Tac. 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 Tac, tac. C'est bon. Colin a besoin de soins. Louis, tu manques, Kikine. Attends, on avait dit qu'on faisait la quête de disponible piratage. Allez. Prêt d'arriver dans 12 heures. Hop. Sauvegarder. Alors, où est-ce qu'elle arrive? La navette. Drone spatial en approche. Ici. Bien. Alors, j'ai besoin que super chercheur Zikino aille me pirater ça. J'ai besoin que Papillote me termine de me convertir. Fucking dynamite. Passe son temps à rassembler les croquettes. Arrête de courir, toi. Ouhou! Prochain, je pourrais faire ici. Ah, j'en ai 3 jours. Tac. Zikino, 750. Et c'est qui mon deuxième super chercheur? C'est Tokiro. Ok, donc j'ai de nouveau quelques dallages. Le carrelage en ardoise. Tac. Hop. Hop. Pavement d'ardoise ici. Bon. Tiens, là, c'est moche. Un petit pavement calcaire. Tac. Là aussi. Là aussi. Là, il y a déjà. Ceci dit, je devrais aussi faire une porte au sud. Quand même, si j'ai besoin de traverser, je serais content de pouvoir passer par le stockage. Est-ce que tout le monde est armé correctement, sachant que ça va tomber tôt ou tard?
Il semblerait bien que oui. Il semblerait bien que je peux faire des armes correctes et que je n'en fais pas. Je peux faire des fusils d'assaut et je n'en fais pas. Je suis un peu con quand même. Alors, prothèse de bras. Du coup, j'en ai plus. Je n'ai plus des prothèses. Hop. Carabine de survie, j'en ai plus. Tout ça, j'en veux bien. Et ça, jusqu'à en avoir un. Pas le droit de craquer les gens. Bon, il y en a la moitié et ça va raider. Tu vas t'arrêter de toute façon. Alors, c'est parti pour un raid. Bon, oh là là, quelle déception. Quelle déception. Hop. Il est l'heure de se réveiller. Tac, tac. On va prendre les vrais combattants et pas les autres. On va les mettre ici et on va leur défoncer la tronche. Pas toucher à mon drone, toi. Meuil, attaque. Scorpion, attaque. Papillote, attaque. Hop. Ardarine, recule. Moussardé, attaque. Mangazor, recule. Postlevette aussi. Bim, allez. Pareil, vous condamnez. Tokiro, tu. Toshiro, tu. Tokiro, tu vas finir le boulot. Hop. Alors, qu'est-ce qui est blessé? Hop, condition, c'est bon. Ah, j'ai un bing out, c'est bon. Dananitz, tu peux rentrer à la maison. Hop, toi, tac. C'est enragé. Ah, alors, toi, je t'ai arrêté. Mais t'es tellement nul. Oh là 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 là, mon Dieu. Sanguinaire, ça veut dire qu'il va pas arrêter de faire des bagarres. Importante tendance toxicomaniaque, il va pas arrêter de droguer, il va brûler tout. Il a des stats de merde. Il a plus de nez et il a une cirrhose du foie. Oh là 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 là, oh la vache. Putain, lui, c'est un de ses winners. Oh bordel. Et toi, tu vas finir en don d'organes, alors sauf le foie. Capture-moi ça. J'ai un cerf enragé. Qui est loin d'ici. Ah, trop drôle. Tac. Alors, j'ai un cerf enragé, on va quand même s'assurer qu'il n'en a pas trop.
Oui, tu vas m'échauffer. Hop. Tiens, j'ai plus rien. Hop. Ok. Et là, on a quasiment fini le piratage. Alors, 92%, c'est son état. Salle de jeu extrêmement impressionnante. Parfait. Et c'est fini. Ouais, on reste loin. On reste loin. J'aime pas les trucs qui font comme si que ça allait péter. 10-20 secondes. Hop. Allez, allez. Allez, boum. Bim. Quête achevée. Dommage pour le mur. Bon, ça par contre c'est cool. Hop. Dommage pour le mur. Je vais peut-être le remplacer par un mur en granit. Structure, mur en granit. Hop. Tac. 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 Porte en granit, comme j'en ai plein. Autant que je l'utilise. Et je pense que c'est une excellente occasion pour considérer que cet épisode est terminé. Nous avons désormais des informations supplémentaires sur un drone spatial. Et donc nous avons des informations, une sur cinq, sur l'arc au souvenir. Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que il vous fera faire de beaux rêves. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis quand même. Et je vous fais plein de bisous. Soyez sages, jouez bien. Et à bientôt les gens. Des bisous.